Il est archi pas dépressif, ce chien. C'est la meilleure. Alors, c'est une femelle, hein, bien sûr, c'est là qui se pose la question. J'imagine que c'est très difficile pour vous de savoir si un chat est mâle ou femelle juste en regardant son visage. Certains y arrivent. La bouteille couleur pisse, c'est quoi? C'est du miel qui provient de Cuba. Une petite production proche de la région de Vignales. Si tu veux tout savoir. Merci Skullknight pour le resub. Bonne chose de retour après un long voyage. T'étais où? C'est vrai que ça fait un moment que t'as pas vu tout. Prouve-le et goûte-le. Mais j'ai rien à prouver. Comment ça? Tu dis que c'est du miel, ça devrait suffire, non? T'es pas le juge, frérot. Merci Nono! Tra là, mais Nono le VIP! Ça va quoi, ma gueule? Tu joues un peu à TFT ou? Sur le nouveau set? Il bluffe, bah si tu veux. Un chouï, allez! Il est pas mal le jeu là, ils ont lancé des ranked direct en plus, contrairement au set d'avant. Fiora. Fio. Bon, j'ai WF. J'ai tir. Je comprends pas tout encore. Oh là là. J'ai pas du tout joué au 7-2, mais le 3 a l'air bien cool. Yes, c'est exactement ce que tu dois te dire. En fait, le jeu est vraiment. Il n'y a pas de mécanique compliquée dans le jeu. Genre, il faut toujours comprendre la méta. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fort et pas fort. Donc, par exemple, ne jouez pas de Jhin. Si vous jouez de Jhin, partez du principe que vous devriez pas gagner. Mais sinon, tout est fort, quoi. Genre, tout est pas mal. En ce moment, ce qui est plus à la mode, c'est de partir cybernétique en early. C'est ça que je prends souvent les Lucian, les Fiora, les Leona qui arrivent. Et voilà. Alors, le sous là-dedans, c'est que je vais Deathblade une Fiora, c'est ça? Ouais. J'ai ceinture. Pour ça, j'ai besoin de mettre du stuff sur lui. Hein. J'ai pas Leona. Parce qu'en fait, ça, avec la sienne Leona ici, ça permet de gagner pas mal d'early. C'est plutôt fort en vrai. Je me demande si ça c'est plus fort que Chrono. Chrono, c'est des tanks. Ouais, je sais pas en vrai. Jhin, si Chrono, je me suis fait def. Mais j'en doute pas, il y a des combos contre lesquels tu peux perdre, mais overall c'est pas ce qui va te faire gagner plus tard. Hop. Je viens de top 1 avec Jhin. C'est possible de faire ça avec les... Sérieux, c'est pas un challenge, hein. C'est pas le Jhin challenge. Le Jhin challenge. Mettre des screens avec un top 1 avec Jhin. Pilote de mecha infiltrateur, ça a l'air pas mal. Ouais, ça c'est une bonne compo. Si vous débutez ou vous retrouvez le jeu, genre, c'est pas mal de jouer mecha. Mecha, c'est genre ceux qui ont joué au 7-1, c'est comme élémentaire, avec Kennen, Brand, Lissandra. C'est exactement le même principe, sauf que c'est pas les mêmes mécaniques après. Mais en gros, quand vous avez 3, quand vous avez Annie, Rumble et Fizz, ces 3 champions-là au début du combat se transforment en Super Garen. Ouf! Ouf! That's a pack! That's a big pack! That's a big, big pack! Oh, easy!
Ça, c'est beau, ça. Bon, ouais, je pense que comme on a Lucienne 2, on préfère Graves à Caitlyn 2. Caitlyn n'apporte rien, Graves apporte Blaster sur le meilleur temps. Oh, c'est bon, ça. Là, ça m'excite, en vrai. Oh. Hello. Of course, from France. Sean's from France. Il faudrait que je retrouve une Fiora pour mettre le stuff de Lucienne là-dessus, parce que Lucienne va vraiment nous carry pendant 15 rounds. Donc. Même si Fiora est pas mal. On fait comment pour TFT mobile? Tu fais pas exclamation mobile dans le chat. Sinon, tu fais comme toutes les applications, tu fais TFT sur Play Store. Sur Play Store, tu fais TFT et t'as normalement TFT qui apparaît. Et sur iOS, en fait, avec la recherche, normalement, tu l'as pas tout de suite. J'ai testé un peu ce matin pour vous. Mais en gros, ce que tu fais, c'est que tu tapes Riot Games. Tu vas sur League Plus. Ah, est-ce que je fais End of Justice, je pense. Sinon, il y a la Vi avec un arc qui est assez insane, en vrai. Est-ce que je fais Séraphin ou Hoge sur Michel? Ah. Et puis si tu fais la recherche, tu cliques sur League Plus, qui est une autre application de Rito, et tu devrais trouver ton bonheur. Je pense qu'on va faire Hoge. Et je pense que ça, je la dégage dès que j'ai une vaille. Comme ça, je peux mettre le stuff sur Michel. Donc là, on veut gagner. En même temps, on veut de l'économie. Est-ce qu'on peut en mettant ça? Bon, je pense qu'on va la cueillir. Et apparemment, il est pas mal, quoi. Sauf pour ceux qui pensent que c'est une arnaque. On dit vie ou vaille. Je pense que c'était français ou anglais. Si t'es franglais, tu dis vieille. Tuable là, what the fuck? Il y avait quoi pour être aussi intuable là comme ça? Ouh. 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 Wow, wow, wow. 1, 2, 3, 4. Ouais, faut qu'on gagne. Mais là, je suis en woo là. Clairement, je vais jouer ça. On va jouer 4 Vanguard en mid-game. C'est pas mal. Elle s'appelle comment l'application de TFT? Woo. Oh oui, Lucienne! Oh non, Lucienne! Oh oui, Lucienne! Vous con, je trouve pas ça si fort, t'en penses quoi? Je suis d'accord. Wouh! Wouh, wouh! Putain, y'a beaucoup de wouh là quand même. Ça fait beaucoup de wouh là. 5%, c'est plus 40%. On va pas me la faire, moi. Bah du coup, on va virer cybernétique, je pense. Hein, et on va jouer... Voilà, quoi. Ça me paraît pas mal. Faut toujours aller chercher le 4 blaster quand tu joues Jinx Carry. Sur du stade on hit, ouais. C'est genre tueur de géant, red buff. Oui, faut toujours aller chercher le 4 blaster. 4 blaster sera toujours 1000 fois mieux que 2 blaster, 2 mystiques. En revanche, s'il y a beaucoup de mages en late game, tu peux changer. Mais sur 80% de la game, ce sera mieux d'avoir 4 blaster. Si t'as les items on hit, ce qui est pas mon cas. Mais là, j'ai du woo quoi donc. Oh, trop nul ce pack aussi. Pas de luck. Comment je fais pour jouer? Est-ce que j'enlève cybernétique maintenant?
que là je fais tac, je pousse, je rentre ça. Mais j'ai plus cybernétique. Mais j'ai 4 Vanguard. Je pense que ça me paraît correct. Mais j'ai plus cybernétique. Alors que ça me paraît quand même plus fort. Alors. Quand même mieux ça. Ah, je sais pas en vrai, j'avoue que j'ai un doute. Dixit, celui qui a eu Jinx et Wukong. Bah ouais, mais pas de chance aussi, j'aurais pu avoir genre, je sais pas, deux Wukong et deux Jinx quoi. Mais deux qu'une fois. Hein. Est-ce que ça vaut la peine d'up l'ulti de MF? Oui. Sauf si c'est pas du tout ton carry. Et qu'elle sert à rien dans ta compo, juste genre je sais pas si elle donne Valkyrie, mais ça dépend de la situation. Si MF son carry, ouais, carrément. Wouh! Comment je m'en sors là? Est-ce que j'ai Graze aussi? Est-ce que je joue 2 Wukong, 4 Blaster, sachant que j'ai pas de One Hit? Tu vois un truc comme ça? Pour l'instant, toi tu vas prendre des stops, je pense. Je sais pas, c'est mieux jouer avec 4 blasters ou 4. Ah oh, putain, par contre, c'est terrible. Nice. Ce 4 blasters, c'est quand même pas mal niveau dégâts. Je peux rien vendre là, je crois. Parce qu'il va me falloir mort 2. Il faut soit Poppy, soit Leona dans tous les cas. Après, elle me coûte cher maintenant, quoi. Surtout qu'elle a une ceinture. Je sais pas si c'est mieux de jouer avec 4 Vanguard en vrai. Sachant que j'ai assez de dégâts. C'est mieux de jouer avec 4 Vanguard. Pas mieux ça? Je pense que 4 Vanguard est mieux. Ouais. Vu que c'est déjà mon carry lui. Ouais, je pense que c'est mieux ça. Ah ouais. Parce que lui est pas censé mourir. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Après, non, j'ai mort 2. Ok. Rip myself, top 8 incoming. Oh non, Dunbar! C'est un pas Dunbar! Oh non, Dunbar, il est dans notre game, il a rien dit! Il a juste lâché un rip myself. Oh non, Dunbar! Encouragez un peu Dunbar sur le chat. Soyez cool avec lui. Bon, du coup, Gray, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un bon petit moment. Et là, il me faudrait une armure. Parfait. Allez, Gumba! Allez, Dunbar! Donne tout! Hey Dunbar, 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 Bar, Dun, Darbun, Rab, Dun. C'est pas mal, non? Non, pas Burn d'arbre, non, géographique. Bah non. Toujours tu vas trop loin, Geoff. Il a FF? Non, c'est il a FF. Qu'est-ce que tu fais là, Dunbar? T'es pas FK là? Oh, encore les Syndra Carry Player. Mais c'est fort, Syndra Carry. Faut que je fasse attention à ça. Ça arrive de plus en plus. Ça détruit pas mal le... Ouais, tu vois, lui, il va me détruire, je pense. Oh, ça joue.
Parce que je suis censé être beaucoup plus fort que lui, donc c'est inquiétant en fait. Est-ce que c'est le The Cybernetic Game? Ou c'est le Blaster Game? Might be Cybernetic Game. Je pense que je garde l'option des deux, non? Après j'ai pas Fiora, attention. Attention! Syndra c'est le nouveau Vega. Mais c'est vrai, Syndra, je crois qu'elle était... Non, elle n'a pas été buff, elle était buff il y a pas longtemps, Syndra. Oh fuck, ma vaille... Putain, là on va se faire allumer, je pense. Ma vaille et mon reste sont morts instant au début du combat. Il n'en reste qu'un. Ça ne suffira peut-être pas. Ah putain, le bon outil de Cho'Gath. Est-ce que mon bro Lucian... Ah, après ça focus sur Lucian... Oh là 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 là. Comment on a... Moi je veux jouer cybernétique. Mais ouais clairement les compos à base de Syndra, Séraphin j'aime beaucoup. Enfin je vois que ça gagne plus qu'avant. Genre souvent ça arrive top 3, top 4 et je pense que c'est bon signe de... Ça va aller plus loin quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a des barres? C'est le graphique qui a fait une connerie? Ah oui d'accord. On a Yeu Irelia, on a piège à pince. On pourrait redispatcher ces items, ouais. Pour l'instant, en tout cas. On est content, des 2500 dégâts d'Irelia. Par la suite, parce que là on va économiser tranquillou. Tiens, sinon je joue pas cybernétique, je joue juste Blaster. Même si j'ai pas Red Buff et compagnie. Ouais, c'est quoi cette musique là? Tout, 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 les triangulos là. Bon, next. Parce que j'avoue que j'ai le Wook. On a des beaux packs, hein. On a le choix. Je vois pas où je joue avec Kayle dans cette game. Je vois pas jouer avec Kayle. Je prends pas cette vaille. Là j'ai un beau banc quand même. Un très beau banc. Go Dua Lipa physical. Allez ça part. C'est juste pour toi la gueule. Elle est bien c'est vrai. J'ai un beau banc. J'ai Wukong 2 que j'ai pas envie de vendre. J'ai un Jace 1. Donc on pourrait jouer 6 cybernétiques. Shen Wukong. Je pense que 4 Vanguard on va oublier. Pour l'instant c'est ok tier mais après ça.
meilleure musique de cette année, elle est vraiment bien. Après, je mettrais quand même Blinding Lights de The Weeknd devant. Mais... On a une armure, c'est ça? Ok, donc on veut une baguette. Après, je peux jouer avec S Wukong. Et je joue pas avec Maître des Lames. J'ai pas de Furon encore, attention. Baguette est bien, Loquette peut être bien. Bon. Sinon, j'ai à BF pour Ange Gardien. Ah, c'est pour l'interrogation, on filmera toujours. Ouais, on peut pas jouer avec elle dans cette game. Le truc, c'est que j'ai envie de mettre une baguette sur Micheline, mais. Si je la mets, après j'ai. Ah, je pense que je suis obligé. En gros, juste là, j'enlève Mordekaiser et Jace pour Echo et Henry là. Bon, bah là, il faut une Fiora. C'est le problème. On l'a déjà vécu ça. Quel game, par contre. Hein. Niveau roll, c'est un peu bizarre cette game. C'est un peu trop facile. Hein. Pour l'instant, j'ai pas Fiora. Donc je peux pas changer. Et là, maintenant j'ai appris. Oh là là, Dunbar qui joue 2 strikes! Dunbar qui joue 2 strikes! Attends, mais comment il a eu ça? What the fuck? Level 5, 0 goal, il a GP2? Oh mais Dunbar il a sorti de 2 strikes. Je pense que en vrai. Ah oh, putain, Zoé qui a proc le. J'allais dire genre Syndra peut se faire counter par Séraphin mais. Par un piège à pince, mais malheureusement Zoé a proc pour moi. J'ai vaincu Sean. Moi j'ai pas de Fiora dans tous les cas. Il a roll 50 gold pour. Ouais je. Ça paraît bizarre qu'il ait eu 50 gold au level 8 Dunbar, mais je pense qu'il a vraiment joué avec le feu. Fiora! Y'a pas Fiora. J'ai envie de go next. Pourquoi y'a pas Fiora? Là, je fais ça et Fiora, et on peut aller au level 9. Avec cette compo. Est-ce que j'aurais dû jouer Blaster? Attends, hein. Ah oh là là, Fiora. La musique là, l'original c'est le plaisir. Ouais, pas mal. L'original de Angus et. Julia Stone, c'est ça? Pim, pim! Ah ah ah! Fiora, please! Fiora, please! Oh non, c'est reparti. Mon cauchemar. My nightmare. My nightmare. My nightmare. On a un peu streamer loot aussi sur les rolls. Ça, je vais répartir ensuite. Mon cauchemar. Oh Dunbar. Oh Dunbar la machine. Oh Dunbar. Ah ouais. Trop fort Dunbar.
Non, mais non, attends, c'est une joke. Fiora! Fiora! Oui, putain! Tu m'as fait peur, Fiora! Bon, je pense que je prends MF overhead hein, si j'en ai deux. Alors, comment je m'organise maintenant? Voltatia les rôles, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des rôles comme ça, t'as raison. Bah, je pense que je peux jouer comme ça mais j'ai juste le... En fait mettre des lames j'en ai pas vraiment besoin parce que ça me sert à rien, ça me sert à rien. Je pense que j'aurais pas dû mettre de stuff sur Fiora en vrai. J'aurais dû mettre ce stuff là sur lui ou elle. C'est quoi mon dernier champion? Je crois que c'est MFK là. À la place de Ez. Vent là et t'en retrouveras une? Non, non, non. C'est archi mort. Archi mort, frérot. Ah, le Ez il a tué tout le monde derrière. N'empêche, c'est vraiment fort Ez. Là, les 1640 de dégâts qu'il fait, Ez, c'est une boule qu'il a mise sur les trois au fond. Mais bon, après quand t'as Kayle et Mev, j'avoue que t'es content. Hein. C'est quand même des beaux packs, ça. C'est un peu les meilleurs champions du jeu. Trop nul le nouveau set, Smiley qui pleure. Bah, pourquoi la guimauve? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh la guimauve! Oh non, la guimauve! Y'a plein de trucs qui me plaisent, hein, ouais. Ouais, ça c'était le mieux. Un stuff écho. Est-ce que mettre des lames c'est vraiment utile? Sachant qu'il a Hoge, peut-être je préfère ça. Non, parce que j'ai Kayle qui rentre, donc pas besoin de BM. Par contre, j'ai des rolls, c'est assez incroyable cette game. Je pense qu'en vrai on va tâcher ça pour l'instant. Après ça va bien avec Irelia ceci dit. Ça va très bien avec Irelia. Si vraiment pour défoncer des gens, je pense que c'est Irelia. C'est sûr que c'est mieux sur Irelia. Elle a IE. Mais Echo peut toucher tout le monde. C'est... Ouais, c'est Irelia. En fait, Irelia, si elle a ces deux items-là, a priori, elle touche quelqu'un, elle peut le tuer, quoi. Par contre, je vais mettre Echo devant, je pense. Ça, on va le tèche quand on va rentrer MF. Faut que je mette Echo devant, je crois. C'est un truc que je fais pas assez. Il faut que je trouve une nouvelle Fiora pour enlever ça et mettre le stuff sur Echo, je pense. Vous savez que les deux sont les meilleurs joueurs? Ouais, il y a des gens qui sont en plate diamant là. Plate diamant, putain, Dunbar il tient! Dunbar 11 HP, il a MF2! What the fuck, Dunbar! MF2, Gangplank 2, 6 sorciers! Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette game pour lui? 100% il va remonter, hein, Dunbar. Hein. Trop fort ce qu'il a. Je pense qu'il devrait mettre TF devant. Oh, il est trop bien là, Dunbar. Hein. Il est archi bien. Il sert à quoi Wukong? Pourquoi pas mettre MF directement? C'est Wukong 2, il apporte du CC. Parce que tout à l'heure je jouais Ez, donc il avait chrono. Là je vais réfléchir à peut-être enlever Wukong pour quelqu'un d'autre, mais je sais pas encore qui. Puis Pierre de mana avec Irelia, ça peut être ok là. J'aurais rien à rentrer. Oh non, Dunbar est tombé! Parce qu'en fait si je fais ça et ça, là j'ai une place libre. C'est qui ma place libre?
Oh là là, la BT Irelia. C'est qui ma place libre? Soit j'ai un Wukong comme j'avais, soit j'ai Shogat, soit j'ai un Thresh pour pillard de mana. Après, je peux mettre Thresh qui ramène Wukong. On va go Irelia 3, bien sûr. C'est un stuff parfait. En vrai, je pense que je rentre Michel là et. Enfin, je trouve l'un des deux là. J'aimerais bien trouver MF. Si je trouve MF ou Lucian, c'est du lourd. Hein. Mais il faudra beaucoup de gold si je veux Irelia 3 et. Là, ils ont tous 0 gold. Il n'y a pas de sens ce rôle là. Bon allez, ramène-moi des trucs Thresh. Allez mon Thresh. Ok, c'est MF. Allez mon... Bon, non. Oui. Il y a 400 champions sur le board. Enfin, c'est pas gagné, on est bien, mais c'est pas gagné. GG pour cette game viewer, c'était drôle. Ah, mais toi aussi, t'étais là! Oh, il s'est fait silencieux, Canas! Ah. Parce que Fiora fait pas de dégâts, donc c'est vrai qu'elle a cet item là. Je vais pas paniquer, mais. Un GP pour Thresh 2. Non, mais il a assez à ramener déjà. Je vais jusqu'à 20 pour trouver au moins ça et. C'est. Ben ouais, hein. C'est moins dur, hein. C'est moins dur, hein. C'est moins dur, hein. Pas se cacher, c'est moins dur, les gars. Faut vous cacher que c'est moins dur. C'est moins dur. Hein. Après, on sait bien l'adapter. Je me lance des lauriers parce que vous le faites pas. Mais... N'oubliez pas que TFT est dispo, bien sûr. Cette Tora qui est sorti juste hier. Voilà, c'est un plaisir vraiment de pouvoir vous délivrer ce genre de partie, les amis. C'est voilà, c'est un travail. C'est un travail. Ceci est réalisé par un professionnel. La difficulté, est-ce qu'elle était présente? Oui. Oui, sur les premiers choix. Non, mais on a eu une moule énorme, hein, vraiment, sur... Après, c'est des trucs que je sais jouer, mais quand t'as une moule comme ça, genre à chaque roll, t'as ce que tu veux. C'est vrai que c'est plus facile à jouer, quoi.